Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond. On commence où à matin, Alex? À matin, on va monter à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier à Donnacona. On va faire la fin montant, un petit peu du descendant. Après ça, on va transférer ces chaînes de roches pour faire le reste du bassin. Ça va être idéal, je pense. Huit pieds d'eau. Là, présentement, on est à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier entre Donnacona et Cap-Santé. OK. Puis c'est une place où beaucoup de pêcheurs viennent? C'est une bonne place pour C'est assez fréquent, je vous dirais, dans la période de l'année où qu'on est, là, dans le coin de la Saint-Jean. Le doré, il est assez présent dans le secteur. Là. Il n'est pas frais. Il se prépare à regagner ses chaînes de roche tranquillement, pas vite, pour la saison estivale. En fait, c'est ça. Ça, c'est un tinfin, poisson nageur flottant. Oui. Ça va travailler en surface, là, en oscillant de côté, si on veut. C'est ça qu'on veut. On veut pas descendre parce qu'il n'y a pas d'eau. On voit bien l'action au bout de la canne. De l'heure, il travaille puis ça donne toujours des petites secousses. Parce que je pense que le fleuve, il y a plein de bons moments pour le pêcher. Et voilà, en bleu. Écoute, oui, effectivement, il y a des moments meilleurs que d'autres. C'est assez dur à prévoir, là. Première chose à faire, on le mesure. Là, on parle d'un doré de 36,5 cm. Le minimum pour garder un doré jaune, ça se trouve à être 37 cm. On le reconnaît, le doré jaune, par sa petite tache blanche sur la queue. Le doré noir, il va avoir des petites taches noires sur la dorsale versus le doré jaune qui n'en a pas du tout. Et voilà! On va jouer entre 5 à 10 pieds d'eau. C'est vraiment un fond rocheux. Là. Le doré, c'est son environnement. À marée basse, ici, on peut marcher pratiquement. On peut pratiquement venir à la pêche dans l'eau à pied sans problème. Là. On a seulement le petit courant de la Jacques-Cartier qui descend jusqu'au chenail du fleuve.
C'est vraiment impressionnant, les marées. C'est impressionnant, effectivement. C'est à regarder, là. C'est des choses qui sont à prendre en considération pour la pêche sur la ici fleuve, au fleuve, hein? Effectivement. Bien sûr. Ah, il est trop long. Ben écoute, en fait, c'est ça, la longueur maximale à respecter, c'est 53 cm. Mais là, on dépasse, on est rendu à 53,5, 54. Okay. On prend pas de chance dans ce temps-là, on fait des belles remises à l'eau. Ça reste donc une dorée jaune. Souvent, les gens sont pas conscients de l'ampleur que le fleuve peut apporter. T'sais, on compare souvent ça à des lacs. Hein? C'est tellement pas ça. Hein? Le fleuve, on a affaire à des marées, on a affaire à des courants, on a affaire à des vents. T'sais, quand la marée est descendante, là, on parle d'un courant qui va descendre vers la ville de Québec, autrement dit. Quand on a un vent de l'est qui vient frapper, ça fait une énergie contraire, si on veut. Là. Ça fait des vagues qui peuvent être assez impressionnantes. Ça peut changer très rapidement l'état du fleuve. Là. La rivière Jacques-Cartier, c'est plein de places qui sont accessibles pour les gens qui n'ont pas d'embarcation. Il n'y a pas juste du doré. Là. Plus haut, on peut avoir affaire à de la truite mouchetée, de la chigan. Il y a même un petit peu d'arc-en-ciel dans la rivière Jacques-Cartier. Donc, ça peut être intéressant. Là. Le doré, là, en ce moment, il est en mode « je me gave ». Ça dure environ 2 semaines, puis il va regagner ses chaînes de roche graduellement. Il va avoir du poisson à l'année. Là. C'est juste que la grosse bourrée, si on veut, pour faire des belles pêches, c'est dans le mois de juin que ça se passe. Plus que ton bleu va être pâle, plus que tu vas être dans une profondeur qui va être profonde. Okay. C'est des outils qui sont vraiment utiles pour les pêcheurs. Une carte navionique qu'on appelle. Ça peut sauver des vies premièrement, puis ça peut sauver bien des hélices de moteur. Surtout en marée basse. Effectivement, surtout en marée basse. Puis, on rentre dans quelque chose de plus profond. Finalement. Effectivement, on rentre dans quelque chose de plus profond. Puis ce qui peut être plaisant pour les pêcheurs, c'est que ça va nous aider à savoir sont où les chaînes de roche. Donc, ça va nous aider à trouver le poisson. C'est un outil qui est essentiel au fleuve, selon moi, pour faire des pêches beaucoup plus optimales. Toi, Alex, ça fait 12 ans. Que je navigue sur le fleuve, effectivement. Hein? 12 ans. Je te dis pas que les premières années, ça a été meilleur, mais ça fait 12 ans que je suis sur le fleuve quand même. À la base, j'avais pas de carte navionique à l'époque, donc c'était pas vraiment évident. C'était pas vraiment évident. Fait qu'on s'est comme ramassé à l'extérieur de la chaîne de roche, okay. Marée basse. Donc, on s'est jouqué sur un amas de roche, si on veut. Oui. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu la panique dans le bateau. Il faut débarquer, il faut pousser, puis il faut qu'il y ait assez d'eau, premièrement. Parce que s'il n'y a pas assez d'eau, t'es pris, t'es échoué, il faut que t'attendes que la marée remonte. Oui, oui. Des fois, ça peut être aussi banal que ça. Mais c'est l'apprentissage, ça, c'est normal. Effectivement. Tu l'as appris à la vraie, là, tu sais. Exact. Moi, je vais vous parler de la technique que moi, personnellement, j'utilise, marcheur de fond. Parfait. Marcheur de fond, pourquoi marcheur de fond? Parce que je pense que le terme le dit. Ça marche dans le fond. Ça va créer des vibrations dans l'eau. C'est la principale raison et la principale effet qui va faire en sorte que le doré va venir voir. Parfait, ça vibre. Qu'est-ce qui se passe?
Fait que là, on dit qu'on s'en va comme ça. Ça, c'est notre marcheur de fond. Exact. On va positionner notre ligne dans le fond de l'eau. Ça va être directement dans le fond. Après ça, ben là, tu me parlais qu'on a besoin du leurre. On a l'aimerion. Exact. Tu sais, à ce niveau-là, encore là, il y a plein de façons. Mais moi, j'utilise le harnais. Okay. Avec le ver de terre. Pourquoi le ver de terre? Parce qu'on va aller créer un autre sens au poisson qui va être l'odeur. OK, parfait. Versus le poisson nageur qui, à moins de rajouter d'odeur artificielle, n'aura pas d'odeur. Le harnais va avoir une petite tête flottante qui va faire en sorte que votre harnais va s'élever, puis ça va éviter de prendre les hameçons dans le fond. OK, parfait. Donc, on travaille vibration, visuel, odeur. On a trois sens. On commence toujours par le premier hameçon en haut. On vient tout simplement le piquer. On essaie de faire une présentation qui va être assez linéaire pour pas que le ver se ramasse en un amas. Exact. T'sais, donc, on part, on va leur piquer comme ça au milieu. Et on va venir finir le reste du ver juste ici en bas. Ça va nous donner quand même une présentation assez linéaire dans l'eau. Comme ça. Notre doré, là... Oui. Le doré, lorsqu'il va venir attaquer. Oui. J'ai entendu que c'est un poisson qui va venir comme siphonner, succionner. Exact. Ça fait vraiment une succion. Donc, il va aspirer le leurre. C'est pas des touches qui sont comme les salmonidés. Là. C'est vraiment pas des attaques qui vont être pareilles. La canne va vraiment partir vers le fond. Okay. Donc, à ce niveau-là, on va faire... un petit coup pour bien ferrer notre poisson. Exact. Pour que le poisson soit bien pris. Et ça saute. Et ça saute. Donc, et puis par la suite, on va garder une légère tension là, pour que l'hameçon reste bien. Effectivement. On le sent-tu marcher? On le sent. Là, regarde, ça donne des coups au bout de la canne. Là. Qui veut choisir une canne avec vous, la première étape, ça va être quoi? Donc, on va déterminer ensemble quelle espèce qu'il vise, comment il pêche, puis dans quel type de plan d'eau qu'il pêche. Okay. Après ça, ensemble, on va choisir s'il y a des exigences en termes, exemple, de longueur, de raideur, etc. Puis on va choisir le matériel de base ensemble. Selon ses choix. Selon ses choix, exactement. Okay, c'est bon. On a des choix, c'est quasiment illimité ce qu'on peut faire. OK. En frais de rigidité, de matière. Rigidité, matière, longueur, durabilité. Différents types de graphite qui vont être utilisés aussi. Si on veut aller chercher plus de sensibilité, si on veut aller chercher quelque chose qui est peut-être un petit peu moins sensible pour, mettons, la truite, des espèces qui sont plus. Des espèces de punch, des espèces plus d'attaque. Si on veut aller vers le doré, des choses comme ça, on va monter dans des grades de graphite un petit peu plus élevés, plus performants, pour aller sentir toutes les touches. La finesse. C'est ça. C'est comme une recette, c'est un gâteau. Mm-hmm. C'est plusieurs matériaux ensemble. On peut avoir 4, 5, 6 matériaux différents dans une tige, seulement une tige. Okay. Donc, on peut aller voir du graphite, de la fibre de verre, on peut avoir du carbone. On peut avoir plein de choses différentes. Erreur, ça. J'imagine que la première, peut-être qu'elle n'était pas aussi bonne que votre standard de qualité maintenant. Là. Non, en effet, là, on a beaucoup d'essais-erreurs. Ça a pris des jours. Là. On a fait pas mal d'erreurs. La prochaine étape, c'est de placer des guides. On va commencer à mesurer notre canne pour pouvoir placer nos guides avec des patterns qu'on a déjà déterminés pour avoir une belle action, pour être capable justement que le fil passe bien, qu'on ait juste une belle courbe sur la canne, qu'on n'ait pas de points qui forcent à des endroits stratégiques ou ce qu'il faut pas. Si on a un guide qui vient tirer en plein milieu de la courbe, on va venir briser un petit peu notre... Le naturel de la canne. Fait que si on vient placer un guide comme ça, on va venir chercher une belle action sans venir tirer sur l'action de notre canne pour
casser l'action puis en même temps bien, avoir un mauvais mouvement de la canne qui risque d'avoir des un éventuel bris. Faut rien négliger. Si on néglige quelque chose, bien, après ça, il arrive quelque chose. Ça fait une garantie après. Oui, puis l'avantage qu'on va avoir par rapport, exemple, à une grande compagnie, c'est qu'on n'a pas le souci, de l'économie. Donc, d'aller économiser, de mettre un anneau de moins pour sauver, exemple, sur 100 000 cannes, tu vas sauver combien d'anneaux, là. Donc, nous autres, on le fait pas, on va aller chercher plus la qualité que... Surtout quand on va chercher, mettons, des espèces qui sont un petit peu plus minutieuses, comme le doré, des espèces un petit peu plus fines, on va opter pour un montage qui est micro. Qui fait qu'on va avoir justement plus de guides pour avoir une belle action sur la canne. On va aller chercher plus de guides, plus collés aussi, versus, admettons, un guide standard. Ben, on va venir réduire notre vrille au plus possible. Après ça, on va venir ajouter plein de guides qui sont plus proches du tube. On va venir chercher plus de sensibilité, on va aller chercher aussi une distance de lancer, plus de précision. Puis on vérifie à toutes les cannes pour que si jamais il y a eu un changement dans le lot, peu importe, mais on est capable de s'ajuster. Fait que là, on voit justement là, le passage du fil, comment il passe bien. On n'a pas de gros angles droits, qu'on voit que le fil travaille bien tout le long. Puis on va se chercher quand on ramène, on va sentir qu'il y a moins de... Ça veut pas bouger. Oui, puis en même temps, ben, la canne, elle veut pas se promener d'un côté ou de l'autre. Parce que des fois, il y en a qu'on va arriver, on va ramener. Puis on va sentir que la canne va vouloir se promener à cause du moulinet qui tourne. Oui. Tandis que comme ça, ben, souvent, on va aller chercher justement une meilleure récupération. C'est moins tannant aussi sur le tube et sur la main. Mais c'est quoi le lien entre le nombre d'anneaux et la distance de lancer? Là, franchement, j'ai vraiment pas compris. Parce qu'un montage en micro, on a plus de guides. Par contre, la différence, c'est que notre vrille est réduite. Si on regarde la canne qui est là, la distance est réduite. La distance de vrille est réduite jusqu'ici. Oui. Rapidement, ça réduit. Oui. Si on prend un montage qui est standard, ben la vrille, elle va être jusqu'au bout, probablement qu'elle va arrêter vers les derniers guides ou vers le tip. Okay. Là, la vrille est réduite au début, ce qui fait qu'on va avoir moins de friction. Et on va avoir un meilleur passage de fil d'un guide. On va aller chercher une distance de lancer comme ça. Il y a moins de friction. Fait que là, ça, c'en est un qui est en montage standard. Qu'on finit quand même avec des guides un petit peu plus petits. On est pas mal dans les mêmes longueurs. Fait qu'on voit ici, on commence avec un guide qui est beaucoup plus gros qu'un montage standard. Beaucoup plus loin aussi. Oui. Puis après ça, là, on voit, en l'espace de deux guides pratiquement, l'autre, on en a trois. Regardez la différence entre les deux. On a vraiment moins de guides. Quand on va installer en micro, on va aller chercher plus de sensations parce que la vibration va partir du fil. Puis au lieu d'avoir toute la distance à parcourir avant d'aller chercher le matériel, on va avoir vraiment une courte distance, on va avoir plus de rapidité, plus de réponse, puis un meilleur rendement. Donc ensuite de ça, on arrive à l'étape de la fabrication de la poignée. Oui. Avec les matériaux que le client a choisi, puis la façon aussi qu'il veut qu'on la fasse. Avec le design ou le style. Avec le design, comme par exemple cette poignée-là, que le client a choisi de A à Z. Donc on a plusieurs matériaux évidemment. Là. On peut avoir de la fibre de carbone, on peut avoir du liège, du foam, okay. Du polymère. Puis même s'il y a une demande spéciale, on peut procéder. Vous êtes ouvert aux commentaires. Oui, exactement. Au changement. Puis, exemple, faire une poignée avec une corne d'orignal. OK, ouais, okay. Ça peut aller jusque-là. Wow. Oui. Fait que là, c'est ici qu'on fait la ligature des anneaux. Tout ce qui est du montage de fil, l'attache des anneaux, pour les montages artistiques, c'est là que ça se passe. Fait que là, après ça, on a placé les guides, on a collé les poignées. Une fois qu'on est rendu ici, après ça, on place les guides vraiment au bon endroit pour être à bonne place. Puis là, on va commencer à attacher.
canne est finie de monter ici, là, on va aller vers le montage artistique. S'il y en a qui veulent un montage qui est plus un beau fini, un montage artistique avec du fil, ben c'est là que ça va se passer. On va aller là-bas. Là, j'en ai quelques-unes de finies. J'en ai pas de commencer. J'en ai quelques-unes de finies qui ont déjà une résine de passer dessus. Et disons que y a eu pas mal d'essais et erreurs dans ça au début. Beaucoup de sueur, mais c'est ça, t'sais, on a à peu près une vingtaine de couches de fil superposées. Après ça, j'ai des montages qui sont un peu plus simples, comme ça. Ça me prend environ 5 à 8 heures. Après ça, j'ai des montages qui sont un petit peu... Ça va être peut-être un petit peu plus élevé à voir. C'est ce qu'on appelle là, des aquets de dragon. Fait qu'on va vraiment chercher un petit effet 3D. Avec l'époxy, ça ressort beaucoup plus. Là. Comment est né votre projet là, de création de canne? Ça se dit-tu? Une petite bière à pêche sur la glace. Ouais. Puis... Ça a fermenté longtemps. Ça a fermenté un an. Ouais. Un an. Ça a commencé... Hey, je t'en parle. Ouais, ça a commencé quand j'avais acheté une moucheuse qui avait le type vert. Ça me tapait ses nerfs. Puis un moment donné, j'ai dit, ça serait le fun. Qu'on puisse faire de quoi qui est à notre goût. Charles, là, après je casse ça. La mienne pendant l'hiver. C'est vrai que ça serait le fun de refaire ça comme il faut. Puis ça, fait que là, ça est né de ça. Puis on s'est donné à peu près un an de réflexion. Puis à un moment donné, on a dit 1, 2, 3, go, on décolle. Ouais. Ça a commencé avec, premièrement, mon vieux Pontiac 71 qui était en plein milieu du garage. Fait qu'on travaillait avec l'espace qu'on avait. On travaillait aussi avec beaucoup moins de matériel qu'on a là, parce qu'on a pris de l'expansion dans les 4 dernières années. Par après, ben, on a sorti le véhicule du garage, on s'est refait un autre établi, une chambre à peinture, on s'est agrandi beaucoup. Et qui fait que présentement, ben moi, j'ai plus de garage, puis c'est tout simplement notre shop. Mais écoute, c'est bien comme ça, on commence à avoir un beau rangement, une belle expansion, c'est plaisant. C'est un travail à temps plein pour vous, les gars, tenir la compagnie comme ça, puis la fabrication? Non, on a chacun notre emploi à temps plein, en plus de la famille, puis tout ça. Puis des cannes à pêche, on vient faire ça après. On met le plus d'heures qu'on peut, évidemment, là-dedans. Là. Et ça a une limite. Ben, nous autres, éventuellement, c'est sûr qu'on veut travailler avec des gens, on va avoir un employé. C'est ça, c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir un upgrade, d'être capable d'aller se chercher du temps. Aussi, éventuellement, qu'on puisse aller un petit peu à pêche, pouvoir tester un peu plus nos produits. On va aller chercher du temps avec ça, puis on va être capable de répondre plus à notre clientèle, justement, d'être capable d'être plus rapide pour notre clientèle, pouvoir les servir, puis avoir en même temps plus de matériel pour eux autres, étant donné qu'on s'en fait demander beaucoup pour l'avoir stock, mais malheureusement, on n'est pas capable de rien se garder, même pour nous autres. Même pour nous autres. Qui sont les gens qui vont acheter vos cannes à pêche? On a quand même beaucoup de semi-pros, des gens qui vont courir les tournois, des gens qui veulent aller chercher une performance. Sinon, on va avoir aussi beaucoup de cadeaux, des choses comme ça, ou encore des gens qui veulent vraiment quelque chose à leur goût. Des gens qui sont un petit peu plus minutieux, qui veulent quelque chose à leur goût avec un bel esthétique. Une gâterie. Ouais, une gâterie. On va vraiment chercher quand même beaucoup de gens là-dessus. Projet retraite, et on est capable d'aller chercher les projets retraite aussi. Une entreprise qui veut faire plaisir à son employé, que ça fait 30 ans qu'il travaille pour eux autres. Ouais, il va aller chercher quelque chose qui y ressemble à ce moment-là. La pêche dans la peau, c'est une émission à la station CJSR. C'est aussi une page Facebook et une très belle communauté. Suivez-nous, on va y mettre des émissions et même des extraits inédits.
En fait, là, moi, la pêche, depuis que je suis toute jeune, que c'est une passion, si on veut. Premièrement, ce que je vais aimer, c'est que ça va te procurer vraiment une journée en plein air. Amis, famille, quoi que ce soit. Je pense que ça repose un peu notre morale aussi. Là, des fois, le stress de société de nos jours, là, c'est pas tout le temps évident à gérer. Ouais. Moi, c'est une façon que je me régénère vraiment. Là. Je me mets vraiment pas de pression à la pêche. Moi, c'est vraiment une passion. Succès ou non, c'est toujours une réussite. En revenant à la maison le soir, c'est toujours une réussite. Ah, c'est une perche. Une perche blanche. Moi, j'ai commencé à pêcher avec mon grand-père. On parle de pêche en ruisseau, là. Oui. Je devais avoir 6-7 ans. C'est vraiment cette partie-là là, qui m'a fait OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Ça a toujours été un rêve pour moi de devenir un guide de pêche. Là. Je me suis acquéri de l'expérience au fil des années. Puis là, j'en suis rendu là après à peu près 10-12 ans. Une belle réussite. C'est dans quel coin tu pêchais avec ton grand-père? Saint-Raymond, Saint-Léonard, coin de Portneuf, dans des petits ruisseaux. J'ai fait le lac Long à Saint-Alban, Truite Grise. Vive les grands-pères. Hein? Effectivement, vive les grands-pères. Et voilà, là j'en ai un. Ouais, là j'ai de quoi qu'il y a de l'allure, là. Ouais, j'ai de quoi qu'il y a de sens. Ah, il est piquant tout. Pour ceux qui tirent. T'es pas mal dans le mythe. Un beau petit doré jaune, 38 cm, consommable, légal. Puis tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, c'est ma manière. Il y en a pas. Je dirais pas qu'il y en a une meilleure que l'autre. Faut prendre celle qu'on se sent bien avec. Là. Fait que là, Jeff, ça c'était ma part de notre travail d'équipe aujourd'hui. Fait que je vais prendre les deux autres filets qu'on avait déjà préparés. On va mettre ici. Chapelure de pain. Ciboulette. Persil. Basilic. Et origan. On a de la saveur là-dedans. Là. Oui. Puis on rajoute notre parmesan. Sel, poivre. Donc on mélange le tout. On prend nos filets. Ça commence à sortir bon. Oui. Fait qu'on prend notre filet de doré. On va le mettre sur notre courge, purée de courge buttercut et asperges grillées. Sam, pourrais-tu me donner l'huile de poireau? Dans le fond, l'huile de poireau, c'est très simple à faire. C'est, on fait bouillir de l'eau. On prend le blanc de poireau. Quand l'eau bout, on le met dedans, on le fait bouillir 2-3 minutes. OK. On l'égoutte, puis on passe au pied mélangeur en le montant avec de l'huile. OK. Avec de l'huile d'olive. Voici notre filet doré en croûte de parmesan et fines herbes avec l'huile de poireau. Fantastique. Bon appétit. Merci beaucoup, Jeff. Bye, folks.